Un hommage, c'est un peu de ce que les 70 auteurs présents samedi ont rendu à la liseuse pour fêter ses 30 ans. Un succès de librairie pour une histoire écrite par Françoise Berclat-Zermatten. Dire que c'était pas facile, il a fallu toujours remettre l'ouvrage sur le métier, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Mais finalement, justement, j'ai des gens qui m'ont soutenue depuis le départ. Et j'ai ce virus, je crois que quand on l'a pour la vie. Et c'est aussi la récompense quand on se bat pour quelque chose et que tout à coup, eh bien, vous arrivez quand même à subsister. Une librairie qui dure et qui reste un lieu privilégié pour beaucoup d'écrivains. Je viens beaucoup ici pour fureter, je peux passer vraiment beaucoup de temps, je vois toutes les nouveautés. Voilà, moi, c'est pour mon métier aussi, je m'informe, je m'approvisionne ici. Voilà, c'est un lieu très important pour moi. Liseuse est vraiment la librairie qui compte en Valais. J'ai beaucoup d'amis qui viennent ici et qui n'ont même pas besoin de choisir leurs livres. Françoise a des petites listes pour chacun de ses clients, elle sait ce qui leur correspond. Prix unique du livre, ère numérique, la passion de Françoise Berclat s'est engagée dans toutes les batailles pour que la littérature vive. Madame Berclat, elle a aussi également une place importante dans tout ce qui est la promotion du livre de manière générale en Romandie. C'est une personne qui souhaite promouvoir les jeunes auteurs et puis qui aide justement les autres à perdurer, à se renouveler. C'est une belle longévité, j'espère qu'elle va tenir encore longtemps, que quand Françoise voudra remettre, quelqu'un continuera, parce que le livre, ça reste un objet vraiment essentiel, je crois, pour nous maintenant. Des livres, des mots, des échanges, la liseuse a séduit le public et les auteurs grâce à une recette simple. Une aventure qui n'est pas près de s'arrêter. J'ai du plaisir et puis il y a quelque chose aussi de très beau dans ce métier, c'est le partage et l'échange. C'est pas que vous qui faites découvrir des livres à des gens, c'est beaucoup de gens qui vous font découvrir plein de choses. Donc c'est ça qui est génial. Alors je me vois pas tellement arrêter.